Quand on me dit, ouais, 10 000, t'es petit. Je fais, ouais, mais 10 000 personnes, mec, c'est énorme, genre, c'est un stade. Visualise 10 000 personnes devant toi. Visualise 10 000 personnes. Il y a un mec qui avait fait un TikTok, un prof, je pense, ou un daron, aux États-Unis, il avait été en mode, putain, je suis content, ma dernière vidéo, j'ai fait 50 vues. Et un petit m'a dit, ouais, 50 vues, c'est rien, mais je lui dis, mais imagine 50 personnes qui rentrent dans la pièce devant toi et qui regardent ta vidéo. En vrai, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Je serais, moi, je pense galérer à parler correctement devant 50 personnes. Alors, des fois, voir des vidéos qui dépassent le million de vues, tu vois, t'es en mode, ah, c'est fou. Mais un million de vues, on parle même plus, mais que c'est la taille d'un pays, genre, t'entends, genre, un taille des pays. Bon, un petit pays, mais un pays quand même, tu vois. Ça n'a aucun sens. Mais. Je sais pas, enfin toi t'es habitué entre guillemets avec YouTube de base, tu vois, mais je sais pas, je sais que j'ai vu certains créateurs, ouais, qui, comme t'as dit, ont abandonné parce que c'était trop et parce qu'ils se disaient, mais enfin c'est too much, je sais pas qu'est-ce que je vais sortir, est-ce que je vais sortir ça va plaire, qu'est-ce qu'ils veulent de moi, pourquoi ils s'abonnent à moi, et un peu surtout le syndrome de l'imposteur. Ouais, beaucoup. C'est super perturbant, comme quoi, bah même enfin avec la fuite des salaires Twitch. Il y en a plein qui n'assument pas trop leur salaire parce qu'ils se disent, bah, en vrai, je fais juste ce que j'aime, pourquoi je gagne autant? Et en vrai, bah, la seule réponse que j'ai à leur dire, bah, mec, tu sais divertir, tu sais attirer l'attention, tu sais créer une audience et créer une relation avec des gens. Et les marques, juste, elles ne savent pas faire ça et donc elles sont capables de te payer cher. C'est pour ça. Même les plateformes, ouais, elles te payent cher pour ça. Et si elles te payent cher, c'est qu'elles font encore plus d'argent sur ton dos que ton nom donné. Hein. C'est juste ça. Hein. Ouais, non, mais c'est réel, le syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai eu plusieurs phases où je n'arrivais pas à faire de contenu. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des millions d'abonnés qui ont ce vrai truc là où ils sont en mode mais c'est fou, j'en profite tant que je suis là, mais après je sais pas, enfin c'est un modèle qui est très spécial pour l'humain. Je pense que niveau psychologie, dans les prochaines années, on aura vraiment beaucoup de problèmes par rapport à la confiance en soi et tout ça, hein. C'est assez fou, c'est dans des situations qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a 10 ans, quoi, en vrai. C'est en plus, mais je crois qu'il y avait Dirty Biology qui a fait une vidéo sur ça, sur les effets des youtubeurs, les effets psychologiques des youtubeurs, enfin que subissaient les youtubeurs, et c'était super intéressant. Il y avait plein de biais cognitifs, bon, je les ai pas en tête maintenant parce que c'est plein de noms scientifiques que je ne connais absolument pas, mais c'était super intéressant. Sur le coup, je me disais, ah ouais, putain, mais du coup, comment, enfin, quand j'ai vu TikTok arriver, j'ai revu la vidéo et je me suis dit, mais ça doit être dupliqué à une vitesse incroyable. Et je sais pas si t'as vu, bon, après j'ai pas regardé le show, mais j'ai vu des reviews, le show de Charlie D'Amelio, on voit de, c'est avec Hulu, sur la plateforme Hulu, et en fait il y a plusieurs extraits, on voit que elle dit, bah moi je fais juste des danses, en fait je suis juste là pour kiffer ma journée et tout. Et c'est super passionnant parce que elle a un manager, elle a une société à son nom qui est pas managée par elle, donc elle est managée elle-même par un président et par plusieurs équipes, et enfin en vrai elle a même pas 18 ans, tu vois. Et c'est super perturbant de se dire, bah, à 18 ans, bah, j'ai le syndrome de l'imposteur, je me sens trop mal, je me sens mal dans ma peau, je me sens stressé et tout.